أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Le discours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam à propos du mois béni de Ramadan. As-Sadduq a rapporté selon une chaîne de transmission considérée de l'imam Ar-Ridha alayhi salam, le tenant de ses pères, du prince des croyants alayhi salam, qui dit: un jour, le messager de Dieu nous fit ce discours. Ô vous les gens, le mois de Dieu est arrivé à vous avec la bénédiction, la miséricorde et le pardon. C'est le meilleur des mois pour Dieu. Ces jours sont les meilleurs des jours, ces nuits sont les meilleures des nuits, ces heures, les meilleures des heures. C'est un mois durant lequel vous êtes invités à être les hôtes de Dieu, et vous êtes placés au rang des gens honorés. Votre souffle y est glorification, votre sommeil est acte d'adoration, vos bonnes actions sont acceptées et vos implorations exaucées. Alors, demandez à Dieu, votre Seigneur, avec une intention sincère et un cœur pur, de vous faire réussir le jeûne et la lecture de son livre, car misérable est celui qui se trouve privé du pardon de Dieu pendant ce mois grandiose. Rappelez-vous, en ayant faim et soif, la faim et la soif du jour du jugement. Faites l'aumône à vos pauvres et à vos indigents. Respectez vos personnes âgées et soyez miséricordieux envers vos jeunes. Renouez vos liens de parenté. Faites attention à votre langue. Détournez votre regard devant l'illicite et n'écoutez pas ce qui est interdit. Attendrissez-vous sur les orphelins des autres. On s'attendrira sur les vôtres. Repentez-vous de vos péchés auprès de Dieu et levez vos bras pour l'implorer aux heures de vos prières, car ce sont les meilleures heures pendant lesquelles Dieu Tout-Puissant regarde ses serviteurs avec miséricorde. Il leur répond s'ils s'entretiennent avec lui. Il leur donne satisfaction s'ils l'interpellent. Il les exauce s'ils l'invoquent. Ô vous les gens, vos âmes sont prisonnières de vos actes. Libérez-les en demandant pardon. Vos dons sont alourdis par vos fardeaux. Soulagez-les en prolongeant votre prosternation. Sachez que Dieu le Très-Haut a juré, par sa puissance, de ne pas torturer ceux qui prient et ceux qui se prosternent, de ne pas les effrayer par le feu de l'enfer, le jour où les gens se lèveront pour le Seigneur des mondes. Ô vous les gens, celui d'entre vous qui pendant ce mois offre le repas de la rupture du jeûne à un jeûneur croyant, aura auprès de Dieu la récompense de la libération d'un esclave et le pardon de ses péchés passés. Quelqu'un dit: ô messager de Dieu, n'avons-nous pas tous les moyens de le faire? Alors, il sallallahu alayhi wa sallam répondit: évitez le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Évitez le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau, car Dieu offre cette récompense même à celui qui utilise cette facilité quand il n'a pas les moyens d'en faire plus. Ô vous les gens, pendant ce mois, celui d'entre vous qui améliore son caractère aura droit au passage sur la voie droite le jour où les pieds trébucheront. Celui qui soulage ses domestiques, Dieu lui atténuera son compte, son jugement. Celui qui s'empêche de faire du mal, Dieu le dispensera de sa colère le jour où il le rencontrera. Celui qui honore un orphelin, Dieu l'honorera le jour où il le rencontrera. Celui qui renoue ses liens de parenté, Dieu se rapprochera de lui avec miséricorde le jour où il le rencontrera. Celui qui coupera ses liens de parenté, Dieu le privera de sa miséricorde le jour où il le rencontrera. Celui qui fait bénévolement une prière, Dieu lui inscrit l'acquittement de l'enfer. Celui qui accomplit une obligation aura une récompense équivalente à celle de quelqu'un qui aurait accompli 70 obligations pendant les autres mois. Celui qui prie beaucoup sur moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu chargera sa balance de bonnes actions, le jour où les balances s'allégeront. Celui qui récite un verset coranique aura la récompense de celui qui aurait achevé la lecture de tout le Coran pendant les autres mois.
Ô vous les gens, les portes du paradis sont ouvertes pendant ce mois. Demandez à votre Seigneur qu'elles ne se ferment pas pour vous. De même, les portes de l'enfer sont fermées. Aussi, demandez à votre Seigneur qu'elles ne s'ouvrent pas pour vous. De plus, les démons sont enchaînés. Demandez à votre Seigneur qu'il n'ait pas de prise sur vous. Celui qui n'est pas pardonné durant le mois de Ramadan ne sera pas pardonné jusqu'au mois de Ramadan suivant, sauf s'il témoigne à Arafat. Préserve-toi de faire ce que Dieu a interdit. Ne romps pas le jeûne avec quelque chose qui t'est interdit. Fais ce qu'a recommandé notre maître Sadiq al-Salam. Si tu jeûnes, tes oreilles, tes yeux, tes cheveux, ta peau, l'ensemble de tes organes doivent jeûner, s'abstenir non seulement de ce qui est interdit, mais aussi de ce qui est détestable. Il al-Salam dit aussi, le jour durant lequel tu jeûnes ne doit pas être semblable au jour où tu romps le jeûne. Et l'Al-Salam dit aussi, le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire, mais si vous jeûnez, empêchez votre langue de mentir. Détournez vos yeux de ce que Dieu a interdit. Ne vous disputez pas, ne vous jalousez pas, ne médisez pas entre vous. Ne menez pas de vaines discussions pour vous faire voir. Ne vous disputez pas en faux ou pour de vrai. Ne vous insultez pas. Ne dites pas de mots grossiers. Ne soyez pas injuste entre vous. Ne vous comportez pas de façon insensée. Ne vous ennuyez pas. Ne négligez pas le souvenir de Dieu, la prière. Obligez-vous au silence et au mutisme, à la patience et à la sincérité. Évitez la compagnie des mauvaises gens, les assertions fausses et les mensonges, les inventions et les disputes, les mauvaises opinions, la médisance et la calomnie. Soyez attentifs à l'au-delà, dans l'attente de vos jours, l'apparition de l'imam al-Qaïm, al-Salam, de la famille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'attente de ce que Dieu a promis, faisant vos provisions pour la rencontre avec Dieu. Vous devez être calme et plein de dignité, humble et soumis, de l'humilité des serviteurs effrayés devant leur maître, ayant peur et plein d'espoir. Pour cela, ô jeûneur, purifie ton cœur des défauts, assainis ton fort intérieur des impuretés, nettoie ton corps des souillures, innocente-toi devant Dieu de tout autre que lui. Obéis-lui loyalement, tais-toi devant ce que Dieu t'a interdit, secrètement ou ouvertement. Crains Dieu à sa juste mesure dans ton fort intérieur et ouvertement. Offre-toi à Dieu pendant les jours de ton jeûne. Vide ton cœur pour lui. Consacre-toi à lui dans ce qu'il t'a ordonné et ce à quoi il t'a appelé. Si tu fais tout cela, alors tu es vraiment un jeûneur pour Dieu. De son jeûne véritable, effectuant ce qu'il t'a ordonné, et chaque fois que tu ne fais pas quelque chose de ce qui t'a été indiqué, ton jeûne s'en trouve diminué d'autant. Mon père, alayhissalam, a dit, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, entendit une femme insulter une de ses servantes alors qu'elle jeûnait. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui présenta de la nourriture. Elle lui répondit, je jeûne, ô messager de Dieu. Il lui dit, comment jeûnes-tu et tu insultes ta servante? Le jeûne n'est pas seulement se retenir de manger et de boire, mais Dieu l'a aussi placé comme un voile contre tout acte et parole détestable. Peu de gens jeûnent vraiment, mais beaucoup ont faim. Le prince des croyants, alayhissalam, dit « Combien de jeûneurs n'ont de leur jeûne que la soif? Combien de gens qui prient n'ont de leur prière que la fatigue? Combien est aimable le sommeil des clairvoyants lucides et leur rupture de jeûne. » De Jabir, fils de Yazid al-Bakr, alayhissalam, qui dit, « Dites à Jabir, fils d'Abdallah, ô Jabir, voici le mois de Ramadan. Celui qui jeûne durant sa journée, se lève une partie de sa nuit, préserve son ventre et son sexe et fait attention à sa langue,
sort des péchés comme il sort du moi. » Jabir lui dit, « Ô messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, quoi de plus beau que ce hadith ?